On va en faire de la bouillie des intrus s'ils se ramènent. Et j'ai piégé les portes. Ah ouais? Entre les gobelours à côté et tes fermes, j'entends rien et surtout pas les intrus. Bah bonjour. Bonjour messieurs, dames. Ici la police des enfants. Je vais vous tuer, je vais vous tuer, je vais vous tuer les gars. Je vais vous tuer. Je vais vous tuer! Putain, entre l'autre cruche là qui a glandé sa mère. Oh la vache. Oh la vache, bah génial, hein. Mais, putain, mais qu'est-ce que t'as branlé? Alors toi, t'as rien branlé, c'est génial. Voilà, toi, t'as intérêt à faire des miracles. Bon, et moi, je suis mort, très bien. Bien, il en reste un. Mais... Donc vous le dites, hein. Ah, les pires, quoi. Les pires compagnons, ils étaient là-bas. Bon, allez. C'était le dernier. Les pires compagnons. Hein. Oui. Vraiment, les mecs, bravo. Vous êtes très forts. Alors, une... Oh, une pour bouger. Petite armure. Ah ouais, hein. Armure de cuir clouté 2. Ah, c'est... Hey, franchement, ça me serait bien utile que ma cotte de maille... Non. Oui. Crevisse. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Je peux t'aider? Plus 1. Ah ouais, non, mais c'est beaucoup mieux. Oui. Ah, tu... Ah non, elle peut... Bah non, je l'ai pas mis. Voilà. Ah oui, donc là on passe de 3, 4, moins 1, 15 à 3, 4, moins 1, 15, mais bonus plus 2. Donc, 21. Ce qui est bien. Et l'autre il est là. Putain, mais les mecs, Gourdin, il trouve sa piège. Tu peux t'en équiper d'un Gourdin? Gourdin, non identifié. Ah, je peux pas savoir ce qu'est le gourdin. Ok. Bon. Tant pis. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh. Suivez-moi. Oui, d'accord. Donnez des ordres, c'est pour ça. Ok. Réussi. Des bottes. Une paire de bottes supérieures d'acrobatie. Acrobatie plus 12. What? Ah bah non. Hop là, qui c'est qui a pas de bottes? C'est toi qui vas prendre les bottes. Suivez-moi. Ouais, Clara. Oui. You have the bot. Voilà. Suivez-moi. Take the bot et puis une... Ah bah j'avais pas vu la porte. Bon bah tant mieux. Donc, un souci de régler, il reste plus que par là. Et puis ça m'a l'air tout bon. Sauf si il y a un deuxième étage. Ce qui serait vraiment ballot. Mais entièrement possible vu que c'est une mine naine à la base. Donc, on y va, on save, et puis la bagarre. Hop. Kara qui arrive. Hop là. La save, et go. Bonjour. Vous avez tué mes frères, très bien, je n'aurais pas partagé avec eux. Tuez-les, nous trouverons les autres là après. Bon bah, la bagarre. Bagarre, hein, en fait. Alors, bagarre et bagarre. Il n'y a que Kara qui fait la bagarre. Et toi, hop là. Voilà. Merci, bonsoir. Donc... Roche. Anneau, albarde et collier en argent. Je prends tout.
Alors, une hallebarde plus 2, évidemment, collier et anneau de protection plus 2. Ah, intéressant. Anneau de résistance, donc ça donne plus 2 à la... Ouais. Je peux t'aider ? Panishka, c'est quoi ton anneau d'argent nul ? Bah, Nishka, tu vas prendre encore un bonus d'armure, étant donné que t'es nul. Quoique, Kara. Qu'est-ce qui se passe ? Kara va prendre l'anneau. Kara va prendre l'anneau pour... un anneau de protection plus 2, je pense que ça sera déjà pas mal. Ça n'a absolument rien changé ou je rêve? Je pense que je dois rêver. Oui. Qu'avons-nous ici? On a des trucs, on a des trucs et des machins et des bidules. On a un couloir qui me fait un peu peur. Ok, ça tourne et c'est... Ça m'a l'air d'être tout. Moi, je crois que c'est fini. Je pense que c'était la fin. Il n'y a vraiment plus rien. Il n'y a pas une porte, un truc caché ou quelque chose. Il y a un tas d'or. Il y a un tas d'or et un coffre. Alors, le tas d'or, combien? 270, très bien. Des gantelets. Notre clan pensait les avoir... Qu'est-ce que c'est? L'histoire de mon clan n'est peut-être pas très glorieuse, mais je sais ce que c'est. Les gantelets points d'annel que c'est que portaient nos rois. Oh, tripounet, notre dernier grand roi les aura portés lors de notre... Lorsque notre partie tomba dans les mains des orques, cette demeure clanique est la sienne. Sur la tête de notre première demeure, celle où Thorin livra son dernier combat. Et quel pouvoir en ces gantelets? Ce sont ceux qui les portent, et forts comme 10, peut-être 20, c'est de là que vient le nom, prenez avec ça. On doit pouvoir défoncer un mur à coup de poing. Pas mal. Et ce n'est qu'un début, d'après ce que je sais, ceux qui portent en plus le marteau pour l'aide, pas battre dans les gants d'un seul coup. C'est puissant. Les avoir trouvés est un signe de destin, cela doit dire que le clan pour l'aide doit enfin prendre possession de ses terres. Je ne me serais jamais venu ici, je n'aurais jamais vu mes frères se ne pas amener jusqu'à ces montagnes. Ces gantelets vous reviennent, vous avez rendu affaire. Garde-les. Garde-les, écoute, voilà. Garde l'influence auprès de Khaldir 4, donc l'influence augmente. Mieux vaut partir de cet endroit sans ma grande partie effondrée. Oui. Je vais juste jeter un œil aux alentours. Ah bah, écoute, hein. Donc, mon petit Khaldir, tes gantelets. Non, bah évidemment, c'est moi qui les ai gardés. Gantelets pour Danel, hop là. Et hop là, examinons un peu. Il s'agit des gantelets autrefois, bonus de dégâts contendant, dégâts contre géant, force plus 3, et bonus d'attaque plus 1 en mitral. Et ben, tu sais quoi? Tiens. Et puis tes gants, tout le monde a des gants. Tout le monde a des gants. Gants d'armure. Gants de la rose jaune. Bah, je vais garder. Alors du coup, vu qu'on peut casser des murs, moi je suis curieux quand même. Est-ce qu'on peut casser le mur là-bas? Genre en vrai. Je suis vraiment très curieux. Est-ce que je peux casser le mur? Non, je ne peux pas casser le mur. Bon. Hop, j'enlève ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre par ici? Des cailloux. Rien, des cailloux. On n'a plus rien. Eh ben, écoutez. Un repos, et puis on va sortir. Dire aux gens que bah, la quête... Enfin, le clan est ce qu'il est. Peut-être qu'on va avoir une surprise. Parce qu'à mon avis... Il y a une surprise quelque part, il y a forcément un truc qui va me popper dans les dents. Alors par contre, Nishka, écoute-moi bien toi. Je vais te donner un ordre, c'est simple, tu me suis. Parce que c'est clair. Par là. Du coup, on pourrait casser des murs avec ces gants. Il faudrait que je trouve aussi le marteau afin que... Bah, qu'il soit ultra pété. Ce serait une excellente chose. Ensuite c'est par là, on descend. Tout droit. Je suis en train de poser la question, est-ce que c'est tout?
Ouais, tout droit. Ah mais attends, non, on peut pas. Non, on peut pas casser le. Je suis en train de me dire, attends, si on peut casser les murs et que tu me le dis, est-ce qu'on peut péter quelque chose là? Non, c'est pas prévu. Est-ce que je peux casser. Est-ce que je peux casser l'éboulement? C'est pas prévu. Ah, ça me trigger ça quand il y a juste un petit truc. Comme si le jeu te disait, hey, viens, il y a un chemin, allez, viens, on est bien. Et je remonte, oui. Enfin, je ressors plutôt. Bah, il reste plus qu'à faire le chemin en sens arrière. Et à moins d'un événement fâcheux de type bagarre contre les orques ou autre chose, cette petite quête au final aura été une excellente idée. Et je pense qu'un gain d'XP nous rapprochera encore un peu plus du niveau 10. Je vais quand même tenter un truc avant d'arrêter. Bon non, ça c'est des billes de fronde. C'est pour l'humilité, voir si Kelgar, lorsque je parle à tout le monde de ah qu'est-ce que tu penses de Kelgar, si ça le rend humble. J'en profitais pour lui parler, tiens. Parler. Je vais vérifier un truc. T'as besoin d'aide ? Ouais. Comment s'est passée ta rencontre avec les moines ? J'aurais aussi bien pu être muet. Je leur ai dit que j'étais venu apprendre à me battre. Et ils m'ont débité tout un discours fumeux avant de se taire, comme ça. Ils faisaient la sourde oreille. Et j'ai même failli en venir aux mains, comme ça, pour voir. J'ai haussé le ton quelques fois aussi. Et après, ils se sont tous. Vous autres humains, vous devriez vous inspirer de la courtoisie naine. Peut-être moins abruptement. Oh, ce n'était qu'un ramassis d'égoïstes bornés. Une perte de temps. Bah, la vocation de moine, la vocation de moine, c'est pas de la farce ou de l'endurance. Tu joues sur les mots, tout ça me dépasse. Ma foi, c'est juste que refuser un combat, c'est lâche, c'est bon pour les gobelins. C'est moi que j'ai rencontré à la taverne, convaincu sans effort. Peut-être que tu as raison. Yes. C'est juste que se dérober à une bonne bagarre, c'est pas naturel, mais bon. Peut-être que découvrir ce qui se trame sous la caboche de l'autre avant de la fracasser, peut-être qu'il y a une vérité quelque part. J'essaierai, mais je te préviens. Si ça me plaît pas, je reviendrai à ma bonne vieille méthode. Excellent. D'accord, vas-y, je t'écoute. Non, c'est tout, en fait. Est-ce que ça te parle ? C'est pas une insulte naine, tu peux en être sûr. Peut-être que c'est leur traduction pour... quelqu'un qui nous dérouille à chaque fois, sinon ça devrait. Oh bah c'est bon. Et du coup, qu'est-ce que ça a fait? Je pense que ça a pas dû bouger grand chose, mais le fait d'avoir eu une influence qui a marché et en même temps d'avoir augmenté l'influence de Kelgar, du coup je découvre qu'il y a une sous statistique. À savoir les points d'influence pour les personnages, ce qui est une bonne idée, quelque part. Ou juste ses propres à Kelgar, bref. Ça peut être utile pour l'aider à être. À sa quête de moine. Ah, mais attends, je suis en train de me dire. Je suis en train de me dire, attendez une seconde. Parce que là, je viens d'avoir une idée. Non. C'est comment que ça s'appelle? Non, finalement non. C'est 4 visions de Kelgar. Alors, pas humble. Oui, d'accord. Ah, vous devriez juste tenter d'en faire au cours de voyage de manière à le convaincre de faire confiance. Voilà. Alors, vision, c'est ça, très bien. La justice. Voilà. Ça, ça doit être, je pense, un pas vers la vision de la justice. Il faut que j'essaie aussi de comprendre.
On va essayer tous ensemble de comprendre. Peut-être que certains ont déjà compris, si vous avez fait le jeu. Et dans ce cas, très bien. Bon, messieurs dames. Les nains, messieurs plutôt. Si vous n'êtes pas entré dans le clan, vous n'avez rien à faire ici. Alors écoute-moi bien, mon petit pote. La roche de cette région a toujours été difficile à sculpter. Et il faut un bon marteau pour arriver à lui faire garder sa forme. Dans ce cas, il nous faudra trouver un autre moyen. Il y a peut-être d'autres entrées à découvrir. Mais nous avons trouvé autre chose. Regarde, Kulmar. Que vois-tu? C'est une paire de gantelets, Khengar. Bel ouvrage. Et il porte la marque de par le marteau de clan Gédin. Ai-je la berlue ou ce sont les gantelets point d'Anel? Je crois bien. Qui sait quels autres trésors reposent dans cette demeure, Kulmar? Nous les avons trouvés très rapidement. Il peut très bien y avoir d'autres trésors au plus profond de la demeure. Khengar, tu as trouvé une relique, un pan de notre histoire. Je n'ai rien fait. C'est mon chef qu'il faut remercier. Quant à toi, Kulmar, c'est à toi que nous devons d'avoir exploré cet endroit dont nous ignorions l'existence. Quant aux gantelets, ma foi, je pense qu'ils reviennent au clan. Non, Khengar. Si vous les avez trouvés, vous deux, ils doivent rester en votre possession, au moins pour l'instant. Une fois votre périple achevé, peut-être vous nous les rapporterez. Toujours envie de sillonner les montagnes? Si c'est le cas, j'aimerais... Nos blessures ont guéri, et vous nous avez déjà beaucoup aidés. Peut-être avons-nous jugé tes alliés un peu hâtivement, Khengar. Le clan Point d'Anel vous est redevable. J'en fais le serment devant la pierre et l'acier. Une telle dette ne sera pas oubliée de sitôt. Quant à toi, Khengar, si ta route est celle de cette personne, ainsi soit-il. Mais le clan attend ton retour. Je ne pense pas en avoir pour longtemps, Kulmar. Mais il faut bien que quelqu'un veille sur ce petit homme. Sinon, il finira au cimetière. Ah, dis donc. Très bien, Khengar. Puisse la pierre te protéger du soleil et la bière toujours couler à flot. Mais pas trop, quand même. Tu sais ce qui t'arrive après la 12e chope. Ma foi, ce fut une heureuse rencontre. Et l'occasion de faire le bien, j'espère. Les points d'Anel ont eu leur lot d'épreuves ces dernières années. Alors, prêt à aller fendre deux ou trois crânes? Eh ben, allez. Bah, du coup, c'est une bonne chose. C'est une quête réussie. Est-ce que c'est réussi en tant que quête de Khengar? Non. Ah, attendez, humilité. Vous avez gagné la confiance de Khengar pour lui faire prendre conscience qu'il est temps de causer à ses frères. Et bon, on va lui reparler en fait. Oui. Je vais lui reparler un coup. Histoire de dire, alors mec, ça va mieux? T'as besoin d'aide? Ouais. Comment s'est passée ta rencontre avec les moines? Ta vocation. Hein? Alors quoi? Tu dois parfois t'y soustraire. Hein? Qu'est-ce que c'est que ce charabia? Ça n'a aucun sens. Non. C'est pas une fin. Sur les mots. Alors. Ça me dépasse. Ma foi. Ok. Refuser un combat. Peut-être que tu as raison. Ok, non, donc bon, ça. Mais je te préviens. D'accord. Vas-y. Alors, qu'est-ce que je peux lui dire d'autre? Faudrait que je sache un petit peu quoi faire d'autre. Bref, on verra bien. Mais bon. Une bonne chose. Eh ben, on va retourner où? On va retourner à... Alors, attendez, ça c'est fait. Je regarde ce qui a été fait. Chandra, bah, des eaux. Eh ben, voilà. Bah, je pense que c'est bon. Oui, les classes, toutes les zones sont faites. On pourra continuer le jeu. Je vais juste en mettre au quartier des docks. Sortez des ombres. Je n'ai aucune patience pour vos tours de la tour des arcanes. Vous comprendrez ma prudence. Je voulais simplement m'assurer que je ne me jetais pas dans un piège. Ceux de notre académie ne sont pas les bienvenus à pas d'hiver. La tour des arcanes a entendu parler de vos ennuis et de l'implication de cette petite ensorceleuse aux cheveux de feu. Vous avez toute notre sympathie.
Nous avons même entendu dire qu'elle lutte contre vos autres élèves dans les rues de Padiver. Quelle désolation! Les actes de ces enfants ne me regardent en rien. Ceux-là ont été punis. Et cette Kara, elle a insulté ma fille et menacé de la tuer. Elle a essayé de la provoquer dans une petite taverne crasseuse des docks de Palivert. Et cela, je ne le tolérerai pas. Mais à propos des crimes que cette Kara a commis, vous avez bien dû en avertir les neufs. Les neufs ont fort à faire avec la politique et les troubles dans les docks. Ils ne peuvent rien faire. Surtout depuis que ma maison est en disgrâce auprès de Nashair. J'aimerais m'en occuper tout seul. Seul ? Et pourtant, vous avez contacté la Tour des Arcanes. Il est étrange que vous nous appeliez. Nous ne sommes pas les bienvenus à Padiver, et encore moins à l'Académie elle-même. Si vous m'aidez, je vous aiderai. Pourquoi Padiver serait-elle fermée à votre école? Je pourrais vous promettre des élèves, des disciples, des esclaves. Et que désirez-vous en échange? Je veux entendre Kara crier qu'elle se sente consumée par son propre pouvoir. Je veux que Kara souffre. Retourner le pouvoir d'un ensorceleur contre lui. C'est une ancienne technique, aussi vieille qu'il le farme. Mais vous verrez que cet art ne nous est pas étranger. Ok. Ok, ok, donc la quête de Kara vient d'avancer un peu plus. Et si la quête de Kara s'annonce aussi intense que ça, savoir la mort, ça va être particulièrement compliqué. Et pourtant, bon, on a avancé sur quelques trucs, certes, mais il va peut-être falloir... Alors oui, ouais, il va falloir que ça on s'en occupe, mais je pense que Kara va être notre prochaine quête de personnage. On a avancé, on a fini pour Lishka, c'est sûr et certain. On a un petit peu avancé au niveau de Kelgar, ce qui est une bonne nouvelle. Et bah écoutez, je pense qu'on est très bien pour se laisser ici. Ce fut une petite session très très sympa. Eh bien, en tout cas, merci d'avoir suivi en ma compagnie. Je vous rappelle que vous pouvez mettre un j'aime sur les vidéos, les commenter si vous avez des petites strates. Si vous avez des indices sur l'avancement des quêtes de Kelgar, je serai très content de les prendre, en tout cas. Et de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la suite des vidéos qui sortent tous les mercredis à 15h30. De me suivre sur Twitter, Instagram et Twitch aussi. Twitch le week-end, vendredi, samedi, dimanche et jour férié, congé, etc. Des gros bisous. Merci à tous, bon jeu et à la prochaine pour la suite de Neverwinter Nights 2.